Bonjour mes amis de Sport Combat, moi je suis Stéphane Müller, le speaker, et ça c'est notre émission Fight Manager TV. Oui, j'aimerais bien vous présenter notre invité, oui, comme je dis, il est un K1 fighter, Muay Thai Boran, il combat bare knuckle. Bienvenue Mike the Magic Wasserman. Bonjour, ça va? Ça va bien, et toi en forme? Ça va, ça fait longtemps. Un peu, hein? Qu'est-ce qui se passe? Tu es blessé? Ouais, je ne suis pas blessé. On va dire qu'on a remis les pendules à l'heure. Voilà, j'ai dû faire une opération pour que mes deux jambes marchent de nouveau. Mais qu'est-ce qui se passe? J'avais une petite opération à faire. J'avais un bout d'os en trop. Voilà, il fallait le couper. Comme ça, là, ça fait 2 ans que je combattais avec ces problèmes. Tu combattais avec ce problème? Ouais, voilà, je combattais avec ce problème. Wow. Et là, voilà, il fallait profiter, on va dire, de la période de Corona où on ne peut pas combattre. Il fallait profiter comme on pouvait. De toute façon, on ne peut rien faire. Donc, c'est le moment de remettre les compteurs à zéro et de repartir sur de bonnes bases. Mais tu veux faire immédiatement le retour sur le ring de boxe, je pense, ah, non? On a faim. C'est ta maison? Voilà, c'est ça. La maison nous manque. La maison nous manque. C'est, ouais. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait la thérapie ou... Voilà, l'opération, maintenant le kiné. Tout doucement, maintenant, il faut que ça se remette en place. Et une fois que ce sera remis en place, que le docteur... Voilà, on va faire les choses en sécurité. Quand le docteur dira, on pourra reprendre les entraînements, on va reprendre les entraînements. Et... Quelle possibilité tu as pour... OK, en ce moment, tu as blessé un genou. Ça veut dire quel training, quel exercice tu fais? Aucune chose. Aucune tu regardes chose. Du télé ou quoi? Voilà, je regarde les combats à la télé. Voilà. Non, voilà, pour le moment, je peux rien faire de spécial. Je peux pas, j'ai des difficultés à marcher. Ouais. Alors s'entraîner, c'est pas concevable. Mais pour un combattant que toi, c'est la catastrophe, la misère. C'est compliqué, c'est compliqué. Hein? Ouais. C'est compliqué. Mais une bonne chose, c'est que tu es papa maintenant. Voilà, c'est ça. Hein? Le soleil. Voilà, le soleil avant la pluie. Ou après, non, franchement, c'est super. Voilà, ça permet aussi d'avoir une période où on peut être avec elle aussi. C'est super. Voilà, c'est cool. Et comme on en voit ici, tu es le champion du HFC. Ouais. C'était un combat, oui, comme je dis, très dur parce que c'était Muay Thai Boran. Voilà, bare knuckle fight. Voilà. C'est quoi ça? C'est un peu différent. On va dire qu'au lieu de se battre avec des gants, voilà, c'est ça, c'était un peu la mode. Toujours vouloir plus. Voilà, mon adversaire, il avait proposé de faire en Muay Boran, donc sans gants. Voilà. Qui sont les règles? Qui sont full Muay Thai, comme d'habitude, les coudes, les genoux. Mais sauf qu'au lieu d'avoir les coudes, voilà. Mais pas de gants, juste les bandages et les cordes par-dessus. Mais voilà. Ça fait mal, non? Ça fait mal, mais pas le choix. Magic Mike. Voilà. Hein, tu as dû rendre la chose magique. tu désires la chose magique ou non? Non, après, voilà, c'est toujours pareil. Chaque chose a sa préparation. Si on se prépare à une chose, tout est possible. Naturellement, tu es un combattant. Tu connais le risque. Voilà, c'est ça. Mais tu aimes le risque de faire ton sport. Voilà, on aime le risque. Ouais. On joue avec le risque, on aime ça. Non, tu ne joues pas. Mais, comme je t'ai dit, j'étais parlé avec un docteur, il me dit que normalement, dedans le ring ou le CAF, les risques de toi blesser, ce n'est pas beaucoup. Non, il n'y a pas beaucoup. Hein? En vrai, qu'est-ce que tu penses? On est tous les deux, de toute façon, on part du principe qu'on est tous les deux des athlètes. On est tous les deux entraînés. On sait qu'on va faire ça. Pour moi, il y a moins de chances de se blesser dans un ring que de se blesser au foot. Parce qu'au foot, il peut venir par derrière et nous faucher. On ne le voit pas arriver, il va nous couper les deux jambes, c'est fini. Qu'en boxe, on sait qu'il est en face de nous. Voilà, il est là pour nous faire mal, on est là pour lui faire mal. Ouais, C'est les règles du jeu. Mais on est tous les deux préparés à ça. Donc, voilà, les risques de blessure, ils sont minimes. Okay. Mais spécialement, HFC, Hard Fighting Championship, normalement, ils ont fait MMA. Mm-hmm. Pourquoi il fait une mixed gala? Parce qu'il avait ses opportunités de pouvoir faire quelques combats. J'avais combattu chez lui en K1 à l'époque. Et c'est vrai que voilà, il y avait la possibilité de pouvoir faire ce combat chez lui. Il a été, merci à lui d'ailleurs de nous avoir accueillis. Voilà, il nous a accueillis. On a pu discuter de telle et telle chose, de regarder pour que les règles, que tout soit clair et que tout soit fait dans les règles comme il fallait. Et voilà, tout le monde a accepté, tout le monde, voilà. Du coup, ça a pu se faire, c'était super. Tu veux combattre MMA, par exemple?
Pourquoi tu, tu combattes K1 et Muay Thai, c'est voilà, juste. Ouais. Boxing, l'anglais? Non, l'anglais, un petit peu à l'entraînement, tout ça, mais... Mais pour le voilà, training seulement. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais c'est OK, de... c'est important. Ça va, voilà, c'est ça. C'est... De toute façon, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Toutes les choses sont importantes. Tu peux, on va dire maintenant à l'entraînement, jouer avec ton partenaire à faire du grappling, oui. Ce sera toujours un plus. OK. Il n'y a rien qui est en moins, tout est plus. Tout est plus. C'est tout le temps si... l'avantage. Voilà, c'est ça. Si maintenant, il venait à me proposer un combat au HFC maintenant en MMA, je m'entraînerai pour. On verra par la suite. Pour le moment, ce n'est pas mon but premier. Oui. Mais peut-être par la suite pour, voilà, je ne vais pas dire pour rigoler parce qu'on ne rigole pas. Mais OK, OK. Voilà. Pour mais quel style combat tu préfères? Le K1. Le K1, c'est là où j'ai le mes K1, avantages. Hein. Ouais. Après, c'est vrai que la boxe thaï est bien aussi pour les projections. C'est plus, on va dire... C'est différent, hein. Voilà, c'est différent, mais c'est plus pour le show, on va dire. La boxe thaï, c'est bien aussi. K1, boxe thaï, pour moi, il n'y a pas trop de différence. Je me prépare, je m'adapte en fonction d'eux. Mais c'est vrai que j'ai une préférence pour le K1. Tu aussi connais bien les traditions de Muay Thai, parce que comme ça, ça commence, tu fais le Vaikru, des choses voilà, comme ça, mais c'est une autre chose que tu commences à combattre K1. Voilà, c'est ça. Explique. Clairement. Clairement, après, voilà, tout, on va dire que le côté des boxe thaï, c'est beaucoup le côté traditionnel aussi. Tout, c'est tout l'univers de la boxe thaï qui est vraiment beau aussi. C'est ça, c'est le Vaikru, c'est ci, c'est ça. Après, moi, je ne suis pas quelqu'un qui veut rentrer, parce que chacun a ses traditions, chacun a sa religion, chacun a ses choses. Yeah. Voilà, moi, je ne rentre pas trop dedans. Après, c'est vrai que voilà, c'est des histoires de respect, il faut le faire, on le fait. Voilà, après, c'est comme ça. En général, combien de combats tu fais chaque année? J'essaye entre, on va dire, un tous les deux mois, environ un tous les mois. Ça dépend de... C'est beaucoup, hein? Si je... Ouais, c'est beaucoup. J'essaye d'être assez actif. Après, c'est toujours pareil. Si je me blesse, ça peut arriver. Je vais mettre 2-3 mois de pause. Mais si maintenant, je gagne par KO, voilà. Disons qu'on va dire, j'étudie toutes les propositions et les possibilités de combat que j'ai. Mais quand tu te quand tu fais le training mentalement aussi, c'est important ou tout seulement physiquement? Après, disons que pour le côté mental, j'ai mon père qui est avec moi tout le temps, voilà, qui est avec moi tout le temps, qui est à l'entraînement, qui me prépare aussi. Donc on va dire que j'ai pas de coach mental personnellement comme certains qui ont des coachs mentaux spécialisés. Moi, on va dire que j'ai mon père avec moi. Voilà, c'est dans la famille, c'est toujours, voilà. Lui, il est là pour remettre les choses en place quand ça ne va pas. Il est là pour remettre les choses en place. OK. Peux-tu faire le training chez Francisco Matos, ouais. Genesis Gym? Ouais, ouais. Je connais bien, il mais fait bien. Aussi des événements très intéressants. Mais oui, le NGC. Oui, France, il est un boxeur classique. Ouais. Très, très bon, hein? Ouais, très bon. Qu'est-ce que aussi. Tu penses? C'est un très bon boxeur, ça a été un très bon combattant, on s'est connu. Moi, je l'ai connu. On va dire, quand moi, je suis arrivé dans le club, c'était lui qui combattait. Uh-huh. Voilà, les chemins, ils ont fait que lui, il est devenu entraîneur. Forcément... Tu exercices avec lui, le boxing, voilà, seulement? Voilà, le c'est boxing, important. La boxe thaï. C'est lui qui m'entraîne aussi. Voilà, on s'entraîne tous ensemble. Chacun apporte son grain, sa pierre, on va dire, pour arriver au, voilà. Au truc. Intéressant. Oui, quand tu as la possibilité, par exemple, de combattre à l'étranger... Mm-hmm. Tu fais naturellement. Voilà, c'est ça. Après, parce que l'Allemagne, c'est le K1, c'est voilà, très. C'est ça. On va dire que dans le coin, tout ce qui est, on va dire, France, Allemagne, Italie, tout ce qui est, on va dire, pas trop loin, c'est vrai qu'on. Qu'est-ce voilà, que tu penses sur l'Italie beaucoup. L'Italie est. C'est difficile, hein? Pas mal. Il y a eu une période où ils étaient pas mal, où on a pu combattre là-bas, c'était vraiment pas mal. Mais c'est vrai que maintenant, ils ont de moins en moins des grands événements. Ça dépend. Il y a des grands événements, mais après, voilà, c'est. Ouais, pas juste. Aussi grand que la Suisse et l'Allemagne. Oui, il faut faire un peu de plus à la Suisse, je pense aussi. Ouais, ouais, parce que, comme je sais, tu aussi parles allemand. Un petit peu. Très bien. Ein bisschen. Ein bisschen, sehr gut sogar. Mais on a resté en français, naturellement. Ouais, ouais. Mais oui, c'est cool, hein, parce que ça t'a ouvert des portes pour oui, de combattre, par exemple, à l'Autriche. Non, c'est L'Allemagne ça. Ou non, c'est tu as comme une manager à ta côté ou non non pour le tu moment j'ai pas seul, de manager je fais les trois quarts seul on va ouais. Dire que voilà maintenant quand j'ai maintenant comme Francisco quand il a des propositions on regarde voilà. Voilà mais je regarde de mon côté après voilà pour la suite peut-être le problème qu'il y a c'est quand je fais moi
pour rentrer maintenant dans des grosses organisations, c'est plus compliqué, vu que je suis tout seul. Il me faudrait quelqu'un de plus grand pour pouvoir rentrer, qui me mette dedans, on va dire, comme un coup de pied, comme ça, tac, qui me mette dedans. Ok, ok. Et voilà, mais sinon, ouais. Pour le moment, je fais tout seul. Ok, pour la future, pour ta future, tu as de désir quelqu'un, ton adversaire, par exemple, tu dis, écoute bien, je suis là. Non, après, K1. Il y en a beaucoup, voilà, qui parlent sur les réseaux, tout ça, voilà, c'est ça. Nous, moi, je fais pas, je suis pas quelqu'un qui fait du trash talk. Moi, je suis quelqu'un, voilà. Si les gens, ils vont se reconnaître, ceux qui seront là, s'ils doivent arriver contre moi, ils vont arriver et on verra ce qui va se passer. Un voilà. Combattant. Après, pour moi, on va dire mon rêve, ce serait de boxer quelqu'un de connu, on va dire, de vraiment connu. Qui, par exemple? Il y en a plein, il y a Johan Lidon, il y a Karim Gadji, tous ces gens-là qui sont vraiment, on va dire, dans le top. La même poids ? Dans le top, ça, c'est la voilà, même poids ? Dans le top de la catégorie. Dans le top de la catégorie, qui voilà, je n'ai pas eu les opportunités pour. Le jour où, voilà, il y a Johan Kongolo aussi qui est en Suisse. Tous ces gens-là qui, voilà, s'il y a l'opportunité, je me battrai contre eux et on verra. Ok, tout est ouvert ? Tout est ouvert. Très bien. Sélection olympique K1, par exemple, pour la France. Tu es origine France. Non, ouais, mais non, non. Français, c'est juste. Ça, disons ça que t'intéresse ça, pas ? Non, ça m'intéresse Pourquoi pas. Pourquoi ? Ça m'intéresse pas. Parce que, disons qu'il faut prendre beaucoup de temps, on va dire. Il faut prendre des une semaine, deux semaines, aller faire des... Ça des choses amateurs. Voilà, tu dois ça. Faire les, voilà, les, ça. Les éléments... On ne va pas se mentir, hein. On ne va pas se mentir. On n'est pas des clowns. Ouais. On ne boxe pas pour rigoler. Il y a un moment, je travaille aussi à côté. OK. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Donc, voilà, je privilégie les choses étape par étape. De la boxe olympique, ça ne m'apporterait rien. On ne va pas se mentir. Être en équipe de France, ça ne m'apporterait rien. Pourquoi ça ne m'apporterait pas. Rien. Il y a des personnes qui aimaient ça. De, voilà, qui aiment ça. La sélection française, c'est, voilà, c'est le mieux c'est de, voilà, dedans, ma carrière de combat. Voilà. Après, pour moi, je boxe tout seul. Je ne boxe pas avec une équipe. Comme ça, je suis sûr que si je gagne tout seul ou si je perds tout seul. Voilà, comme ça. Pourquoi pas ? C'est une façon de voir les choses, mais pour moi, voilà, c'est la... Après, c'est vrai que j'ai pas... Pour dire maintenant, par rapport au nombre de combats que j'ai quasiment pas combattu en France. Par la et suite, là... Et MMA, par exemple. Et MMA aussi. Maintenant, le MMA est organisé en France. Pour le moment, j'ai déjà peut-être des événements en France, des bons événements qui arrivent. Le Ultimate Fight chez Steve Valente. Voilà. Qui vont peut-être arriver cette année. Normalement, yeah. On est en discussion. Peut-être l'Empire Fight, qui lui ouais, aussi... Oui, l'Empire Fight, mais ça c'est... Qui est un gros événement aussi, voilà. Un grand événement, très intéressant. On, hein. Est, voilà, on est en discussion, tout ça, ça va. L'année dernière, il n'a pas pu me faire combattre, on s'y est pris trop tard, tout ça. Il avait trop de combats, parce que c'est justement un gros événement. Okay. On verra par la suite ce qui va arriver, peut-être que... mais à la France, moi je suis intéressé, parce que je suis suisse allemand. Voilà. Quel style combat c'est le mieux populaire en ce moment ? En ce moment, il y a le MMA qui reste à la mode parce que tous les gens restent à la mode. Oui. On va dire en France, on a des bons combattants en boxe thaï. On a des bons, bons combattants en boxe thaï. Ouais, ouais, on a des. Sami Sana, par exemple. Sami Sana, Vigneault, tout ça, c'est tous des bons combattants. C'est tous des ça, bons c'est combattants. Très populaire. Voilà, c'est des gens très populaires, okay, des gens pourquoi voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais disons que voilà, ils ont réussi à faire leur place en Thaïlande, comme Sami Sana ou One Championship, dans des grosses organisations, ils ont réussi à faire voilà, ils ont réussi à faire leur travail, à rentrer, à faire leurs choses, faire leurs preuves, et au final voilà, ils portent nos couleurs comme ils devraient les porter, et voilà, c'est bien. Pour toi, bien. Comme une combattant de la France, ok, tu comprends allemand. Mais normalement, c'est un problème linguistique que les combattants traversent en Europe, comme il y a des medical checks ou des choses comme a rules meeting. Ouais. Il y a des équipes qui ne comprennent aucune chose. Ouais, de temps en temps, il me posait la question, Stéphane, tu as la possibilité de faire la traduction. Ça marche, mais sans des aides, c'est difficile. Disons que moi, j'ai les langues et je n'ai pas la chose pour rentrer dans le grand gala. Chacun ses problèmes, chacun ses problèmes. OK, pour toi, oui. Non, mais oui, qu'est-ce non, qu'on mais va faire vrai. Qu'est-ce qu'on peut faire. Il faut soit que... Après, c'est dommage aussi. C'est vrai que c'est... j'en parlais avec Francisco. Quand lui, maintenant, fait son événement, le NGC, qui est un très bel événement en Suisse, oui. Il va maintenant... Moi, c'est vrai que j'essayais de ramener au maximum des Français
pour que moi, je puisse faire la traduction, tout ça, pour qu'on puisse faire des combats internationaux. Mais c'est beaucoup de travail pour toi aussi, parce que tu dois te faire la concentration ton combat. Voilà, je fais mon minimum. Je fais mon minimum pour que ça se passe bien. Et on va pas se mentir, voilà, ça marchait très bien. Et c'est vrai qu'on arrive, et Francisco parle aussi un petit peu français. Toujours. Ça reste toujours un problème, c'est vrai. Il faut que les gens, ils apprennent à l'école. On peut faire quoi, maintenant ? Apprendre à l'école. Ok, bonne idée. Pourquoi pas ? Comme tout, hein. On a tous une période d'apprentissage. C'est comme tout. De faire les combats dans différentes fédérations, est-ce que ça, c'est un avantage ou qu'est-ce que tu penses ? De temps en temps, des différentes fédérations, ils n'aimaient pas. Voilà, c'est ça. Ensemble, c'est un problème, mais qu'est-ce que tu penses sur ça, Le problème des fédérations, c'est que tous, il y en a une qui veut être plus populaire que l'autre, et au final... Comme toujours. Voilà, c'est ça. C'est un peu le problème. Après, voilà, disons que, on va dire, chacun va avoir ses opportunités de dire, voilà, maintenant, il va avoir quelqu'un qui va avoir un contact à la WKU, qui va avoir un contact à la ISKA, il va être champion ISKA, ou combattre pour la ISKA. Voilà, c'est vrai que nous, on a eu de la chance d'avoir le ASFO. Voilà, maintenant, pour le moment, j'ai pas eu l'opportunité de combattre pour ISKA, pour tout ça. Mais comme tu combats, par exemple, à FSO ou WKA, par exemple, aussi, tu es aussi un champion. Et est-ce que ça, c'est un problème quand tu demandais, par exemple, une autre fédération? Est-ce qu'il y a des fédérations qui te disent que non, que tu es faire le K1 avec FSO ou HFC? C'est pas intéressant pour nous. Et ça existe ou non? Disons que maintenant, comme on a fait le Barnacle, on a cherché une fédération pour pouvoir faire un championnat du monde officiel. Ok. Ils nous ont tous fermé les portes en disant que voilà, c'était du Barnacle, c'était pas de la boxe, ça sortait des règles, on va dire, que pour eux, c'était un street fight limite. Ouais. Voilà, on va le refaire avec les gants la prochaine fois et puis on va appeler une fédération. On a toujours de chercher. Voilà. On y va. C'est ça. Voilà, non, les opportunités sont là. Voilà, après, chacun a ses règles. Faut respecter leurs règles. Voilà, c'est propre à leur fédération. C'est du sport combat. Voilà, c'est ça. Et voilà. Chacun a ses fédérations, chacun a ses règles. On n'a pas le choix, on s'adapte en tant que combattant. Voilà, c'est comme ça. Cool. Mais bon, très bien. Et à la fin, j'ai une session spéciale de questions pour toi. Mm-hmm. Tu peux me donner une réponse. Okay. A ou B, rouge ou bleu, oui ou non, mais pas par exemple. Hein. Ok, ça marche. Ok, on va commencer. Première question, Jean Reno ou Omar Sy? Jean Reno. L'escargot ou pizza? Pizza. Voilà. Krav Maga ou Taibo? Ah, Taibo. Renault Alpine ou Aston Martin? Ah, Aston Martin. Pourquoi? Non, ok, c'est bon. L'eau ou du vin? De l'eau. Voilà. Bon, très bien. Ça, c'était... Oh, voilà. Et à la fin, on veut faire... OK, moment, stop. Voilà. Maintenant, on a fini. On veut dire maintenant... peut dire au revoir chez notre ami de sport combat. Ça, c'était l'interview, le micro-trottoir avec Mike the Magic Wasserman. Et ouais... À la prochaine. À la prochaine. Au revoir.